Donc là, on est sur la cartouche du décortiqueur. Donc on va chercher à avoir quelque chose comme ça à la fin. Où là, c'est la grille qui va être prise en sandwich entre ces deux pièces. Donc la première étape, c'est la construction de ces pièces. Là, ce qu'on est en train de faire. Et en gros, donc c'est les pièces qui prennent en sandwich la grille. Il y a un côté arrière qui va être plaqué contre le décortiqueur et un côté avant. Et la grille va venir s'insérer entre les deux. Donc les deux pièces, elles sont constituées de trois morceaux à la fois. Et la grille, en gros, va venir s'insérer dans l'interstice qui est là. Donc la première étape, ça a été de fraiser les pièces là où elles ont besoin d'être fraisées. Il y a pas mal de fraisage à faire. Là, on a aussi soudé les boulons qui vont permettre de la fixer sur le décortiqueur. Ça, c'est la première étape, fraisage et soudage des boulons. Et là, maintenant, je suis en train de relier les trois morceaux qui forment la pièce entre eux. Donc là, on aligne bien à fleur, dans les trous, faut bien réfléchir au sens des pièces. On vient souder, mais juste pointer pour qu'il n'y ait aucune déformation. Et on fait ça pour les trois morceaux à chaque fois pour fabriquer nos deux pièces, quoi. Et ensuite, on viendra mettre la grille là-dedans. On est en train de positionner la grille. Donc pour la grille, pour faciliter le positionnement, ce qu'il faut faire d'abord, c'est ébarber les côtés, de façon à faire une petite pointe là. Ça facilite le montage et la pré-rouler, c'est plus facile. Donc on la met déjà dans un sens, on vérifie que c'est bien encastré là et ensuite derrière on remet cette pièce là par-dessus.